Bien, mes frères et sœurs, Balinga minangaba ndeko basimi bali. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Banso topesi binombo tekati na komuna ko Jésus-Christ. Et que la paix et la grâce de Dieu tekete kimia pe ngolu na nzambe nous soit donné à chacun de nous. Et pesa mela na moko na moko na biso. Il fait chaud. Moiza makasi. C'est vrai. Ya solo. Mais nous les enfants de Dieu, kasi biso bana nzambe, nous lui avons déjà dit. To sila ki koloba yango. Qu'il neige. Eza la boni. Qu'il pleuve. Toboni. Nous viendrons écouter la parole de Dieu. Tokoya koyoka loba na nzambe. C'est par amour de Dieu que nous venons. Ezalinde na bolingo na nzambe de tozoya. Sous une forte chaleur. Na mulunge makasi. C'est ça. Eza bongo. Alors persévérons mes amis. Na bongo tolenda baninga. Ne dites pas il fait très chaud. Bolo batete moiza makasi. Je ne parle pas. Nazo kende te. Non non venez. Te boya. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambula bino. Nous allons nous lever. Tokotelema. Et nous lirons une portion de l'Écriture. Betokotanga eteni moko ya likomi. Nous sommes en 2 Corinthiens 2. Nous sommes en 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2. Verset 14. Verset 14. Nous descendrons. Nous descendrons. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mais bien, mes frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier pour remettre nos guides d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous du début à la fin. Que le Seigneur donne la parole de Dieu pure au serviteur de Dieu qui nous prêche. Parce que nous avons dit, nous ne suivrons que la pire parole de Dieu. Nous sommes autant de ne suivre que la parole de Dieu. La pire parole de Dieu. Pas de mélange. Pas de falsifier. Oui. Ainsi, mes bien-aimés, parce que nous avons besoin de suivre la parole de Dieu pure, nous allons implorer la grâce Seigneur qu'il soit avec ses serviteurs qui nous prêchent de ne parler que de la parole pure devant les enfants de Dieu. Que ce soit n'importe qui monte que le Seigneur le conduise. Et nous allons aussi demander au Seigneur que le Seigneur nous donne la capacité d'écouter, de comprendre la pire parole de Dieu afin de la mettre en pratique et de l'expérimenter. Prions ensemble, mes amis. Bien-aimés et Père, sur la terre de l'univers invisible, je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur, ton grand Dieu, qui me permet de porter ma place à toi. Je viens à toi, Jésus, de l'univers.
Pour l'opportunité que tu nous accordes d'être encore une fois devant toi. Seigneur, c'est devant toi que nous sommes venus. Ce n'est pas devant un homme. C'est pour t'écouter. C'est toi qui donnes la parole de la vie. Seigneur, nous ne voulons pas regarder aux hommes. Nous voulons regarder à toi. Seigneur, nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes entrés. Mais nous voulons rentrer ayant reçu quelque chose de ta part. Car toi, Dieu, tu nous as appelés. Ce n'est pas pour que nous puissions perdre notre temps. Mais c'est pour que nous puissions racheter le temps. Seigneur, ce soir, nous remettons tout ce qui va se passer ici entre tes mains. Que la parole soit véritablement la parole qui vient du trône de ta grâce. Et qu'elle puisse pénétrer au plus profond de nos cœurs pour nous donner la vie. Oh Dieu, nous avons faim et soif de ta présence. Nous voulons t'expérimenter. Car le temps est très proche. Oh Dieu, puisse nous faire grâce. Pour que ta parole puisse nous être favorable ce soir. Gloire, honneur, louange à toi. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé et Père Céleste. Oui, nous te sommes infiniment reconnaissants et gloire. Toi qui nous appelles à toi. Pour que nous puissions écouter la parole de ta part. Cette parole. Qui autrefois était écouté par mes ancêtres et apporté par les saints prophètes de Dieu avait transformé plusieurs, avait guéri plusieurs, avait transformé plusieurs. Aujourd'hui, nous sommes appelés à toi. Et nous disons, ce que vous avez fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui. Tu as guéri, tu as transformé, tu as délivré, tu as sauvé par le même matériel qui est la parole de Dieu. Seigneur, nous voici devant toi. Il fait chaud. Où on pouvait rester à la maison. Mais nous avons dit, nous allons auprès de notre Dieu pour écouter sa parole. Cette parole qui est salutaire pour nous ne nous laisse pas, Seigneur bien-aimé, rentrer tel que nous étions entrés. Transforme-nous, Seigneur de gloire. Guéris-nous de toutes les maladies. Résous tous nos problèmes. Seigneur, toi qui nous connais plus que nous-mêmes, tu connais combien de fois nous avons des problèmes dans ce monde. Et nous avons le courage de venir à toi, sachant très bien que nous allons auprès de notre Dieu qui est la solution à tous nos problèmes. Et nous avons raison de venir à toi. Fais quelque chose. Fais quelque chose pour nous servir. Manifeste-toi puissamment auprès de nous. Donne-nous à t'expérimenter. Seigneur, ta parole n'est pas morte. Ta parole est vivante. Nous voulons l'expérimenter. Assiste-nous à tous égards. Et délivre-nous, Seigneur de gloire, de tous les démons qui nous tourmentent jour et nuit. Délivre-nous, s'il te plaît, parce que nous ne voulons pas vivre avec tous ces démons. Bien-aimé Père Céleste, aide-nous à vivre la parole de Dieu. Aide-nous à expérimenter la parole de Dieu. Et transforme-nous, Seigneur bien-aimé. Et conduis-nous à tous égards.
Sois avec ton serviteur qui montera du haut de la chair pour prononcer ta parole. Aide-les. Inspire-les la parole qui convient pour l'édification des enfants de Dieu, pour l'avancement des enfants de Dieu. Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup, Saint bien-aimé. La force que tu nous donnes de venir ici pour écouter la parole de Dieu ne vient pas de nous-mêmes. C'est toi-même qui nous donne la force. C'est toi-même qui nous donne le courage de venir même sous la chaleur. Merci beaucoup. Gloire et louange à toi, Seigneur bien-aimé. Fais quelque chose, Seigneur, gloire pour nos frères et sœurs qui sont encore sur la route cherchant à nous rejoindre. Le transport est difficile dans notre vie. Le transport est très difficile. Transport, fais quelque chose pour qu'il vienne vite. Écoutez ensemble la parole de Dieu avec nous. Et bien nous, chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé. Amen. Amen. Faites face. Page 29, Cantique 61. Oh,
Thank you.
Oh,
Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire Deutéronome. Notre temps est fort avancé. Nous allons prendre Deutéronome au chapitre 18. Du verset 18 jusqu'au verset 20. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Na kotele misa uta katikati na bango musakoli moko lokola yo. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Na kotia maloba na ngai kati na muloko na ye. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Pe akolobela bango nyonso na kolakela ye. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Alléluia. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurait point commandé de dire. Kasi musakoli oyo akozwa piko ya koloba na komo na ngai liloba oyo ngai na lobelaki na lakelaki soko mukete. Ou qui parlera au nom d'autres dieux. Te oyo koloba na komo ya banzambe basusu. Ce prophète là sera puni de mort. Musakoli wana akopesamela etumbu ya liwa. Sera puni de mort. Akobeta mana itumbu ya liwa. Tika likulu ya litangi ya lirobali na nzambe asopa mapamboli katina kumbu ya nkolo Yesu Kristo. Que sur la lecture de cette parole, que le Dieu Tout-Puissant déverse les bénédictions au nom du Seigneur Jésus Christ. Togogovan. Pouvons-nous asseoir. De komogo ya mwasi, tozala kanaye awa. Il y a une sœur, on est avec elle ici. Autaka na Bwende. Elle venait de Bwende. Pe akendaka na Afrique du Sud. Elle s'était en allée en Afrique du Sud. Kinosa saipe azwami kuna. Jusqu'à présent, elle est là-bas. Je crois depuis 2008. Je crois depuis 2008. Lelo tusulaki a bianga kinga. Aujourd'hui, nous avons causé, elle m'a appelé. Elle m'a envoyé un message audio et après je l'ai rappelé. Elle m'a chargé de saluer l'Assemblée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Son nom, c'est la sœur Anne-Marie. Pretoria, capitale de l'Afrique du Sud. Elle se trouve à Pretoria, la capitale de l'Afrique du Sud. Comme nous l'avions vu hier, rapidement, nous allons continuer. Pour observer quoi nous devons écouter. Nous devons écouter seulement Dieu. Seulement la parole de Dieu. Nous ne devons pas écouter les hommes. Pas les dénominations. Pas les organisations. Mais nous devons écouter seulement Dieu. Nous ne devons pas écouter n'importe quel prophète. Nous ne devons pas écouter n'importe quel prophète. Apôtre, docteur, évangéliste. Apôtre, docteur, évangéliste. Même berger. Même berger. Seulement Dieu. Bobele Nzambe. Nzambe nde asengeli na koyokama. Ce Dieu qu'il faut écouter. Mususute. Pas quelqu'un d'autre. Nzambe azanzambe ya batu bansobana. Et Dieu, il est le Dieu de tous ces hommes-là. C'est lui le créateur.
Il est plus que tous. L'écouter. C'est la vie éternelle. L'écouter. C'est la délivrance. L'écouter. C'est le salut. C'est aussi la guérison. L'écouter. Et tu vas ressusciter. L'écouter. Tu seras transmué. L'écouter. Tu seras enlevé. C'est lui qui n'écoutera pas Dieu. Akufa. Qu'il meure. Akukufa. Il mourra. Bible lobi bongo. C'est comme ça que dit la Bible. Mutu yango. Cet homme-là. Akuzala retranché. Il sera retranché. Retranché. Bon. Aza retranché dans son âme. Alors il sera retranché dans son âme. Amenaye ekuzala tiwe. Son âme sera tuée. Kokokana na liloba diankolo. Conformément à la parole du Seigneur. Et totanga kite na chapitre 4. Et nous avions lu au chapitre 4. Il y a Deutéronome. Des Deutéronome. Zambe abandai déjà kokebisa lingomba. Déjà Dieu avertissait le peuple. Lingomba. L'église. Zambe abandai koket. Dieu avertissait l'assemblée. Awa na chapitre 6. Ici au chapitre 6. Na verset liboso tutangaki. Au premier verset que nous avons lu. Voici les commandements. Tala malako. Les lois et les ordonnances que Yahvé votre Dieu. Mibeko pe mitindo Yahvé nzambe na bino. A commandé de vous enseigner. Apesa ke mitindo ya kola kisabino. Pourquoi? Bonanini. Pourquoi il m'a commandé de vous enseigner? Bonanini ala kela kinga ya kola kisebino. Avec que vous les mettiez en pratique. Nantine te bochi ango kati na musala. Dans le pays dont vous allez prendre possession. Kati na mboko oyo bokoka mata kati na libula. Et encore. Peli soso. Il m'a commandé de vous enseigner. Ala kela kinga ya kola kisebino. Afin que tu craignes Yahvé ton Dieu. Nantine te wobanga Yahvé nzambe na yo. Comment? Lolenge nini? Mais en observant. Kasi na kobate laka. Tous les jours de ta vie. Mikolomis ya bomo ina yo. Toi, ton fils et le fils de ton fils. Yo, mwana na yo, pe, mwana ya mwana na yo. Toutes ces lois. Et tous ces commandements que je te prescris. Et cela. Pour résultat. Afin que tes jours soient prolongés. Oui, ils je te prescris tout cela. Nazali ko komela yo swana. Afin que tes jours soient prolongés. Et isama mulayi. Et encore. Peli susu. Quand je te les lirai. Tango na ko tangela yo yango. Quand je t'enseignerai comme il m'a commandé. Tango na ko lakisa yo yango ndenge alakela kanga yango. Tu les écouteras donc. Okoyoka yango bongo. Il faut les écouter. Sengeli koyoka yango. Les obéir. Kotosa yango. Israël. Israël. L'assemblée. Koyangana. L'église. Ekelesia. Le peuple de Dieu. Libota ya Nzambe. Et en les écoutant. Bena koyoka ka yango. Et tu auras soin. De le mettre en pratique. Il ne faut pas les abandonner. Les mépriser. Mais tu auras soin. De les mettre en pratique. Pourquoi? Et voici le résultat.
afin que tu sois heureux. Tu sois béni. Et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit Yahvé. Lokola Yahvé alobela ke yango. Le Dieu de tes pères. Zambango ya batata na yo. En te promettant. Nakola kaka yo. Il t'a fait une promesse. Asalela ke yo elaka moko. En te promettant un pays. Nakola kaka yo mboka moko. Où coule le lait et le miel. Et pa yo pe ko sopana miliki pe mafuta nzoi. Amen. Amen. Landa pa boy frère. L'andai paiboy. Suis de ce côté, frère. Et il continue, il dit. Écoute, Israël. Yoka, Israël. Pourquoi tu ne veux pas écouter? Écoute, Israël. Yoka, Israël. Écoute l'assemblée. Yoka, koyanga. Écoute, peuple de Dieu. Yoka, libota nzambe. Écoute. Les rachetés. Yoka, écoute les élus. Yoka, baponami. Les prédestinés. Babong Samiliboso. L'église des premiers-nés. Écoute. Yoka. Les prémices de ces créatures. Bumba yabikela munaye. Écoute. Yoka. Je dis pas Mbumba. Les prémices. Bumba yaliboso. De ces créatures. Yabikela munaye. Écoute. Yoka. Écoute. Yoka. Écoute, Israël. Yoka, Israël. Yahvé. Yahvé. Votre Dieu. Zambé Napino. Yahvé est son nom. Yahvé ne kombonaye. Yahvé est votre Dieu. Pe Yahvé azalin Zambé Napino. Et le seul Yahvé. Pe Yahvé mokokaka. Et le seul Yahvé. Père Azali, Yahvé. Azali. Azali. Yahweh Mokokaka. Et le seul éternel. Le seul Yahvé. Azali Yahweh Mokokaka. Ils ne sont pas deux. Azali Babalete. Ni trois. Domisato. Il est le seul Seigneur. Azali Nkolo Mokokaka. À la page de Yahvé. C'est qu'il y a Yahvé. Si vous voyez dans le Nouveau Testament. Si tu viens au Nouveau Testament. On l'a remplacé par le Seigneur. Bakitina sake yango Nkolo. Il est le seul Yahvé. Azali Yahvé Mokokaka. Le seul Seigneur. Kolo Mokokaka. Tu aimeras Yahvé ton Dieu. Okolinga Yahvé Nzambe na yo. Parce qu'il y avait de l'Ancien Testament. Il est devenu Jésus dans le Nouveau Testament. Car Jésus, Yahshua, ton Dieu. Amen. Amen. Oui. Iyo. Tu le verras. De tout ton cœur. De toute ton âme. Na molimo na yo mobimba. Et de toute ta force. Bena bokasi na yo nyonso. Tu l'aimeras. Okolinga ye. Et devant lui, tu n'auras point d'autre Dieu. Pe liboso na yo koza banzambe basusu te. Parce que tu l'aimeras lui seul. Pwete okolinga ye. Pas d'autre Dieu. Banzambe basusu te. À côté de lui ou devant lui. Il est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Et Yahvé, c'est Jésus. Et Yahvé, c'est son nom de l'ancienne alliance. Et quand il a conclu la seconde alliance, il a pris un nom nouveau de la nouvelle alliance. Yahshua. Jésus. Yesu. Qui signifie Yahvé est sauveur. Yahvé azali mobiki siango. On l'appellera Jésus. Yesu. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Amen. Amen. C'est comme ça que nous croyons. Et il vous faut l'écouter. Il nous faut l'écouter. Il te faut l'écouter. Nous devons l'écouter. Amen. Amen. Vous voyez ici, au chapitre 6, ce côté malambo, c'est le commandement le plus grand. Si tu regardes bien, c'est le commandement le plus grand. Le premier commandement. L'ilakoya liboso. Qui est plus grand? Oui, le kimonene. C'est-à-dire de l'aimer. L'ilakoya liboso. De l'écouter. Yakoyokaye. Amen. Amen. Est-ce que ça pour les? Est-ce que c'est clair? Et deuxième commandement. L'ilakoya mi balé. Qui est semblable à celui-là? Aimer son prochain. Linga, comme soi-même. Et le deux là. Benimi Balouana. Déjà résumé à tous les commandements. C'est ce qui fait le résumé de tous les commandements. C'est seulement ces deux là. Ils allaient Kakami Balouana. Résumé, il y a tous les commandements. Le résumé de tous les commandements. Et ce qui au bateliango. Et si tu les observes. Au kobatela tous les commandements. Tu observeras tous les commandements. Même toutes les lois. Même toutes les lois. Même toutes les ordonnances. Même toutes les ordonnances. Ça inclut résumé na deux. C'est inclus, résumé dans ces deux commandements. Et en d'autres termes, comme si c'est le résumé d'un seul-là. Deux fois, douzième commandement. Des fois, d'autres, nous appelons cela douzième commandement. Parce que ça qui n'a dit loi, dit commandement. Parce qu'il avait dit loi, dit commandement. Et Jésus à la Kisakawana. Et les deux que Jésus avait enseigné là, et voici, c'est ce que nous trouvons ici. Ce que vous avez ici est comme 12. Si tu ajoutes à cela, ça fait mais tu peux aussi les résumer. Deux années comme moko. Ça devient 1. Puis vous avez ici 10. Et tu ajoutes à 10. Obimi obena 11. Tu sors seulement avec 11. Onzième commandement. Onzième commandement. Résume tous les commandements. Résume tous les commandements. Ou 12, les deux commandements. Ou malakoma balé. Résume tous les autres. Les allez kokutu la oy mususu etikali. Amen. Amen. Biso tozondima ndenge. C'est comme ça que nous croyons. Et andakisa lokola Paolo, exemple comme Paul en parle ici. Avant que tu Paolo aloba. Avant que Paul en parle. Totala nano lolenge kani. Nkolo yemoko alobela kango. Voyons d'abord comment le Seigneur lui-même en a parlé. Ye aloba ki ni. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Dans le Nouveau Testament, qui est-ce qui connaît cela? Il en a parlé comme ceci. Nani, chapitre combien? Nani Moussousou. Qui autre? Le Kualobi, Lucasizom. Le frère dit Luc 10. Verset combien? Luc 10, verset 27. Luc 10, verset 27. Et encore Marc 12. Encore Marc 12. Et encore Matthieu 22. Encore Matthieu 22. Awa aloubiboy. Ici, il dit ceci. Et
Allons d'abord dans Matthieu. 22. Matthieu 22. Qu'est-ce qu'il dit? Na matai tukumi bale na mi bale. Dans Matthieu 22. Comment? Matthieu, est-ce Matthieu 22? 22, 34. Au moins 34. Voilà. Oui, lui dit ceci. Au verset 34. Au verset 34. Les pharisiens. Bafalisaï. Ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, Nkolo, quel est le plus grand commandement de la loi? Oui, le qui monène na mal na li lequel? Ezali wo wapi? Jésus lui répondit. Yeso ya nulié. Voici le plus grand. Talawe le qui monène. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Okolinga nkolo nzamba nayo. Qui a compris ici le Seigneur ton Dieu dans l'Ancien Testament? On appelle ça comment? Na boyoka ya kalabaza ko bienga yango nini? L'Éternel. Yahvé ton Dieu. Yahvé nzambe na yo. Mais Yahvé. Kasi Yahvé. Ici dans le Nouveau Testament. Awo na boyoka na sika. Na kobanga ka kotanga kombo ye na pamba pamba. Par crainte de citer vainement ce nom. De bayoko tia Seigneur. C'est alors qu'on a mis Seigneur. Tandis que Seigneur en hébreu. Donc on est Seigneur na ki ebele. Eza Yahvé te. Ce n'est pas Yahvé. To Yahvé ne signifie pas Seigneur. Ou Yahvé ne signifie pas Seigneur. Yahvé est Seigneur. Yahvé azali nkolo. Yahvé est Dieu. Yahvé azanzambe. Yahvé est rédempteur. Yahvé azamusiko. Yahvé est beaucoup de choses. Yahvé azabiloko ebele. Mais le nom Yahvé ne signifie pas Seigneur. Le Seigneur, c'est son titre. Et Seigneur ici, en hébreu, c'est Adonai. Ce n'est pas Yahvé, c'est Adonai. Frère Katalay, c'est Adonai. La Bible, c'est pourquoi la Bible, la traduction, dans d'autres traductions, c'est comme ça. Moi-même à la maison, j'ai beaucoup de traductions. Même il y a hébreu, même les traductions des hébreux, j'en ai. J'ai ça. Et quand j'étudie la parole, frère Josué, et je compare. Et l'autre on a un docteur. Aujourd'hui, nous avons un docteur. Dieu a établi un docteur. C'est-à-dire un scribe. Selon Dieu. Eva de Franck. Et tous ces noms-là, tous ces titres-là, il nous les enseigne. Et nous savons le but de chacun. Pas le but. À la signification de chacun. Voilà. Et Balinga Mikati Nankolo. Et bien aimé dans le Seigneur. Quel est le plus grand commandement de la loi? Il a kwangoni ni le kimonene ya mobeku. Jésus lui répondit. Yesu ya nulié. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Okolinga nkolo nzambe nayo. C'est-à-dire
Yahvé ton Dieu. Je compare ango na Deutéronome 6 verset 4. Si tu compares à Deutéronome 6 verset 4. Ya utinde wana yezo zongera ndi wana. Lui rentre là. Il se réfère. Il se réfère ndi na yango. Oui, il se réfère de cela. Omoni. Voyez-vous? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire Yahvé ton Dieu. De tout ton cœur. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Ou de toute ta force. Et il dit. Selon ta question, c'est le premier. Et le plus grand commandement. C'est cela. Mais lui n'a pas demandé le deuxième. Mais lui, il lui a ajouté le deuxième. Et voici le deuxième. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, ça c'est épi. À résumer, à Koutouli, à conclure. Il a conclu. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Vous allez côté de la mopeko mobimba. Mobeko yos. Dépend de toute la loi. Et les prophètes. Pe basakoli. Tout ce que vous lisez dans l'Ancien Testament. Nyonso mozali kotanga na boyokani ya kala. Dépend de ces deux commandements. Ezali kotela na malako ango mibale. Amen. Amen. Mon frère kolala te si vous. Mon frère ne dort pas. C'est le résumé de tous les commandements. Vous allez beaucoup te l'amener à Malakonios. Et même tous les prophètes. Et à la Basakolinios. C'est pourquoi des fois on dit Jésus en a ajouté deux. Depuis Nango, Valobaka, Yeshua Bakisa qui me balé, Nayango. Mais Yeshua l'obit, on a Bakisité. Mais Jésus a dit, je n'ai pas ajouté. Alobi n'a résumé ndé. Il a dit, j'ai seulement résumé. Que nous soyons. Que tout cela. Écoutons l'amika kanami balé. Ah, se résume en deux. Amen. Amen. Et Paul nangala naye. Et Paul à son tour. Lui a dit ceci. Romains chapitre 13. Baloma zo minamisato. Alobi. Ede. Verset 8. Le verset 8. Ne devez rien à personne. Bozala na nyongo ya mutu mokote. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Soko bobele komilinga na bamoko bamususu. Sokote. Bobele. Kolingana. Vous aimez. Bamoko. Les uns. Na basus. Les autres. Seule dette. Nyongo moko kaka. Oyo bosengeli kozaka nango. Que vous devez avoir. Kaka ya kolingana. Seulement de vous aimer. Tout le reste des dettes, même si tu avais contacté cela, paye. Mais tu restes seulement avec une dette là. La seule dette là, tu ne peux pas tout payer. Tu peux payer par tranche. Tu peux payer souvent.
Amen. Amen. Kolobate na si na futi nyongono esi. Ne dis pas que j'ai déjà payé tant de choses. Wana esi na kate. Non, ça ne finit pas. C'est-à-dire, na linga ki yomba la moko te. C'est-à-dire, je t'aime une fois. Mais pourquoi tu m'as dit ça? Je ne peux plus encore t'aimer. Pourquoi continuer à linga? Non, tu vas continuer seulement à l'aimer. Jusqu'au retour du Seigneur. Qui n'a pas besoin encore. Amen. Amen. Et il dit ceci. Pia lobi boy. En effet. Na bongo. Les commandements. Malako. Oh bino boyoka. Que vous entendez. Bino misusu nango. Je peux vous citer quelques-uns. Tu ne commettras point d'adultère. Okosa le kobo soko mukete. Tu ne tueras point. Okobo masoko mukete. Tu ne déroberas point. Okoyiba soko mukete. Tu ne convoiteras point. Okolu la soko mukete. Nyonso wana. Tout cela. Okotanga ngone Exode 20. Tu peux le lire dans Exode 20. Et ce que le peut encore y avoir. Bena o yumususe koki kozwama. Po natangi nyonso te. Parce que je n'ai pas tout cité. Natangi wana. J'ai cité cela. Moko nango. Ba moko nango. Quelques-uns d'entre eux. Mais misusu pe ijali. Mais il y en a aussi d'autres. Alors, na bongo. Noyo natang. Et ce que j'ai. Na misusu wa na ijwami. Et d'autres là qu'on peut avoir. Se résume. Écoute l'ami. Dans cette parole. Katina liloboyo. Tu aimeras ton prochain. Okolinga muzalani na yo. Comme toi-même. Okolinga yo moko. Se résume. Ezali kokutu lama. C'est un résumé de tous les commandements. Yamala commence. Et il nous montre pourquoi que Eza résumé. Il nous montre pourquoi c'est le résumé. Kakanamokowana. Seulement avec un seul là. Dans ce seul commandement. Voilà. C'est pourquoi. Ponanin. Alobi. Il est. Parce que. Pouette. L'amour Bolingo ango. Ne fait point de mal au prochain. Et cela que soko mukete mapena muzalani. Et je peux dire l'amour. Bena koko le bolingo ango. Ne fait point de mal à Dieu. Et cela que mabe soko mukete na nzambe. Alors il dit. Nabonga lobi. Comme l'amour ne fait point de mal au prochain. Koko le bolingo et cela que mabe soko mukete na muzalani. Alors dans ce cas. Nabongo na likambwana. L'amour. Bolingongo. Et donc l'accomplissement de la loi. Ezali bongo bokokisami ya mopeko ango. Si tu veux accomplir la loi. Soko lingo kokisami beko. Et tout simplement l'amour. Zwa kaka bolingo. Amen. Amen. Et tu accompliras toute la loi. Pe ukokokisami beko nyoso. Parce que beaucoup de péchés tous ont commis. Ils ont manqué d'amour. C'est par manque d'amour. Ezali na kozanga bolingo. Je vous donne un exemple. Si nous adorons des idoles. Si tu adores une idole. C'est parce que tu manques l'amour de Dieu. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton de tout ton âme, de toute ta pensée, et tu ne peux pas avoir un autre Dieu près de ton Dieu là, pour que tu puisses te prosterner devant lui. Non. Tu vas rester seulement avec le seul Dieu là. Amen. Amen. Et lui-même dans les 10 commandements. Le commandement est en rapport. Le commandement c'est en rapport avec lui-même. Non, le commandement qui est en rapport. Ah. En rapport avec lui-même. Le commandement qui est en rapport avec lui-même. Il dit ceci. Je suis un Dieu jaloux. Nazali nzambe moko ya zoa. Imaginez que yo ozo ko sambela ngai. Imaginez que toi tu es et tu prends un autre Dieu. Mais je suis un Dieu jaloux. Cela
montre que tu ne m'aimes pas. C'est le manque d'amour envers moi. Que tu m'as fait cela. Voyez-vous. C'est comme ça. Ezali bongo. Mais tout ce qui me haïssent. Ce sont eux qui adorent d'autres dieux. Voilà. C'est cela. Mais tout celui qui m'aime. C'est lui qui hait d'autres dieux. Voilà. C'est cela. Il m'aimera seulement moi. C'est seulement moi seul. Dans tout son cœur. Pas avec deux cœurs. Ça, c'est en rapport avec. Commandement, la loi, oui, écoutez là. Oui, vous allez écouter là, le commandement, la loi dans, qui le concerne. Dans les 10 commandements, dans la loi, il y en a aussi le commandement en rapport. Donc, tout le banin, rapport, il y a Dieu avec les hommes. Et j'ai mis malako, côté de la caboyokani, katikati nan zambe nabato. Ah, Evangeli nabango. Ah. Les cohabitations. La relation. Les bazos traités. Comment ils les traitent? Dieu traite avec toi. Malako, ba commandement mususu. Il a mis d'autres commandements. Et gardez bino en bon terme. Pour vous garder en bon terme. Maintenant, toi, tu n'es pas le seul sur la terre. Il y a aussi d'autres qui habitent avec toi. C'est pourquoi ils sont appelés tes prochains aussi sont là. Et il a établi d'autres lois au sujet de toi-même avec tes prochains. Voilà. C'est cela. Comment est-ce que vous serez en relation? C'est pourquoi le premier d'abord aimer lui. Le second aimer ton prochain. Maintenant, lorsque tu vas l'aimer, tu ne le feras pas du mal. Tu ne feras pas aussi mal au prochain. Na bongo, ainsi, bolingo, l'amour, ezali boko kisami ya mobe. C'est l'accomplissement de la loi. C'est comme ça. Ezali bongo. Est-ce que si tu lis tel que Paul a dit, le commandement qu'il vient d'énumérer ne dépend pas de Dieu avec les hommes. Ne concerne pas Dieu et les hommes. Non. Ça concerne l'homme avec son prochain. Écoutez, nous allons le lire. Il a commencé tu ne commettras point adultère. Et en premier lieu, adultère, c'est-à-dire coucher avec la femme d'autrui. La femme d'autrui. C'est ça, adultère. C'est ça la difficulté. Cet homme-là, c'est celui qu'il appelle ici prochain. Tu aimeras ton prochain. Maintenant, cet homme-là qui est ton prochain, lorsque toi tu l'aimes, tu ne peux pas coucher avec sa femme. Parce que tu l'aimes. Comme toi-même. Je ne sais pas si nous avons compris. Imaginez moto yo linga kana motema na yo. Okuko kamata mose na ete? Que tu aimes dans ton corps, tu ne peux pas prendre sa femme, c'est impossible. C'est comme ça. Ezali bongo. Yami bale. Le deuxième. Tu ne tueras point. Okobo masoko mukete. Il est de ton rapport avec ton prochain. Ezali boyo kana na yo. Tu ne peux pas avec Dieu, toi tu ne peux pas tuer Dieu. Yo kokobo mazambe te. Non. Te. C'est-à-dire ton prochain. Si tu l'aimes, tu ne vas pas le tuer. Tu ne vas pas le parler contre lui. Tu ne vas pas le haïr. Parce que tu l'aimes. Comme toi-même. Lokola yomoko.
Voyez, frère. Voyez, ma soeur. C'est comme ça. Ils allaient bongo. Pourquoi les gens s'entretuent? C'est parce qu'il manque l'amour. Il n'y a pas d'amour. Bolingwezate. Entre bango. Katikati na bango. Jamais baboma moto yo okolingaka. Jamais on a tué quelqu'un. On tue seulement celui qu'on. Hey. C'est comme ça. Ezali bongo. Est-ce que ça voulait? Est-ce que c'est clair? Hein, frère Jacques. Frère Jacques. C'est ça. Ezali bongo. C'est comme ça. Si tu aimes le diacre, tu ne vas pas le critiquer. Si tu aimes l'ancien, tu ne vas pas le critiquer. Si tu aimes le berger, tu ne vas pas le critiquer. Si tu aimes le frère, tu ne vas pas le critiquer. Si tu aimes la sœur, tu ne vas pas la critiquer. Si tu aimes ta femme, tu ne vas pas lui faire du mal. Si tu aimes aussi ton mari, tu ne vas pas lui causer du tort. C'est l'amour qui fait ça. L'amour est l'accomplissement de la loi. Amen. Amen. Troisième commandement, yazo tangawa. Il a mis ça toi yako tangawa. Tu ne déroberas point. Okoyi basoko mukete. Premièrement, yambo yambo. Okoyi belo kwa mojani na yote. Tu ne déroberas pas. Parce que olingi ye. Parce que tu l'aimes. Et okolinga ye ndenge. Et tu l'aimes. Comme tu t'aimes toi-même. Est-ce que tu peux te voler, te dérober toi-même quelque chose? C'est pourquoi il n'y a pas moyen de voler aussi sa chose. La chose d'autrui, oui, de ton prochain. De ton prochain. Non, parce que tu l'aimes. Quatrième. Tu ne convoiteras point. La convoitise ici, c'est lié na chose d'autrui. C'est comme ça. Eza bongo. Convoitise awa ezande. La convoitise eloko ya mojalani. La chose du prochain. Na koko tanga na bino yango bobozo. Je peux vous lire cela pour comprendre. Awa na Exode chapitre 20. Ici dans Exode chapitre 20. Attaque, il y a d'autres convoitises. Même s'il y a d'autres convoitises. Mais chapitre 20 verset 17. Chapitre 20 verset 17. Il dit. Allô bien. Tu ne convoiteras point. Okolu la soko mukete. La maison de ton prochain. Daku ya muzalani na yo. Voyez. Omoni. Tu ne convoiteras point okolu la soko mukete la femme de ton prochain. Moi si ya muzalani na yo. Ce n'est pas écrit. Et comment mitete? Tu ne convoiteras point okolu la soko mukete la maison. Dako. Tu ne convoiteras point okolu la soko mukete la femme. Moi si. Te. Mais bah, petite précision. Mais on donne la précision. De ton prochain. Ya muzalani na yo. Toujours de ton prochain. Ya muzalani na yo. C'est l'écriture. Ils ont commis. Ce n'est pas pour rien. Bah, comme alobandenge wana ya yebi. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit comme ça. Lui sait. Dieu pense ce qu'il dit. Zamba zali ko kanisa yango zali ko. Et il dit ce qu'il pense. Zamba yango zali ko kanisa. Et encore, troisième convoitise, ni son serviteur, Sokite, ni son serviteur. Sokite Moussali Naye, Yamoukoula, Balobite, que tu ne convoiteras point serviteur. Balobite, Okoula, te, Moussali. Mais serviteur de ton prochain. Kasi Moussali Yamoussali Nayo. Ni sa servante. Pas tout court, tu ne convoiteras point. Servante, oui, une servante. Non. La servante de ton prochain. Moussali moisi. Moussali moisi. Moussali moisi. La servante. Moumbu moisi. La servante. Yamoujalani nayo. De ton prochain.
Voyez? Voyez-vous? Ni son bœuf. Ce côté ngombe naïe. Bah, veut dire que tu ne convoiteras point un bœuf. Mais le bœuf de ton prochain. Ni son âne. Ce qui t'est impondu naïe. Bah, veut dire que tu ne convoiteras point. On n'a pas dit que okolula soko mokete. Une âne. Punda moko. Non, non. Tete. Ni son âne. L'âne de ton prochain. Ton punda ya muzalani nayo. Ni aucune chose. Ce qui était loco moko boy. Hein, un balobi boy était. Non, on n'a pas dit ça. Balobi dit que ni aucune chose. Ah, balobi était loco moko. Là, là, yo limbolangai. Balobi bongo te. On n'a pas dit ça. Que tu ne convoiteras point ni aucune chose. Ete okolula te loco moko boy. Okolula ata loco moko te. Balobi bongo te. Ata loco moko te. Balobi bongo te. On n'a pas dit cela. Mais balobi nde. Ni aucune chose qui appartienne oui, Zali. À ton prochain. Ya muzalani na yo. Ni ses lunettes. So côté lunettes na ye. Ni son mouchoir de tête. Ton mouchoir na ye de tête. Ni ses souliers. Ton sapato na ye. Ni son vêtement. Ton ilamba na ye. Ni son chant. To ni sa voiture, to son chat, chant. Elanganaye. Ni sa voiture, to mutukanaye. Ni sa chèvre, to son chien. Vous voyez, frère? Donc il faut aller loco ya mojalan. Ça doit être quelque chose du prochain. Kolula ngote. Ne le convoite pas. Ah, Bible yo. Oh, cette Bible. Il a fallu un prophète. Car la parole vient au prophète. Amen. Amen. Et après le prophète, il a fallu un docteur. Pour placer chaque chose à sa place. Vous savez que même à du terre, comment on comprenait avant? Ne pas comme ça. Il a fallu un prophète. C'est quelqu'un qui nous accolle. Pour nous dire ça, parce que t'as la écobo. Pour nous dire que. Il a un des moins si angani. C'est la femme d'autrui. Voilà. C'est cela. Et même ici dans Matthieu. Même ici dans Matthieu. Chapitre 5. Chapitre 5. Regardez comment on comprenait. Bon, et il y en a beaucoup jusqu'à ce soir. Les hommes mingi. Comprenez mal. Les paroles du maître. Au verset 27. Verset 27. Il y a chapitre 5, il y a Matthieu. Le chapitre 5 de Matthieu. Sa doctrine. Il a qui sinaye. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit. C'est-à-dire d'Exode 20. Tu ne commettras point d'adultère. Vous voyez? Oh, frères et sœurs. Oh, bandekobali, bandekobas. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et ici, Piawa. On comprenait comme quoi, comme n'importe quelle femme. Non, ce n'est pas n'importe quelle femme. Parce que le péché commis est appelé adultère. Et adultère, et ça le manque avec une femme d'autrui. C'est commun avec une femme d'autrui. C'est ça. Zali bongo. «
Et on disait, on prêchait des fois des célibataires, des femmes célibataires. Bazemba. Oh ma soeur, comme tu es habillé Soki mobali moko aluliyo. Si un homme te répondre. Tu vas répondre. Na moko la jugement. Au jour du jugement. Na péché et adultère. Du péché de l'adultère. Basu yo zako s'adresser na bango. Des femmes auxquelles tu t'adresses. Ce ne sont pas des femmes mariées. Ce sont des femmes célibataires. Non lobi bango ba ko répondre na péché et adultère. Ils vont répondre. Adultère comment ya zangi moshi amudu. Comment l'adultère n'était pas femme de quelqu'un d'autrui. C'était la manque de la révélation. Et jusqu'à ce soir, Mingi bazo fana na ba assemblée na ba conception. Ce sont des conceptions dénominationnelles. Ce sont des conceptions dénominationnelles. Nulle part dans la Bible, c'est écrit comme ça. C'est comme côté la Bible, comme un bongo. Oh, la parole de Dieu est bonne. Mais en réalité, version ya Bible. Moi-même, j'ai des versions de la Bible. La version Menge, la version allemande. Pas comme la version Menge allemande. Là où Frère Franck nous a expliqué. Et Frère Branham aussi. Frère Branham aussi. Que ici, il faut comprendre que ce n'est pas toute femme. Mais seulement la femme. Moi mariée. Moi aussi, il y a moto. Moi aussi, il y a bala. Voilà. C'est cela. Donc. Et ce n'est pas ma boy. Ça doit être mais lié moi, comme je ceci. Vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter. Maintenant, si on comprend. Maintenant, si tu veux comprendre. Il faut rentrer dans Exode 20. Il faut rentrer dans Exode 20. Et au verset 17. Et au verset 17. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Moi, si à Mousalani na yo. Voilà. C'est cela. Mais tu ne convoiteras point la femme. Mais la femme de ton prochain. Mais attention. Il faut avoir 10 frères. Frères. Vous voyez? Il ne faut pas progresser. Toi-même. Yomoko. Va. Donc, frère Joseph nous a dit. Ah, Joseph ce n'est pas un adultère. Ah, ils allaient si tu convoites la femme. Moi, je dis que ce n'est pas comme ça. Voyez-vous? Na lobi penza bongote. Vraiment, ce n'est pas ce que je dis. Non, ce n'est pas un péché. Oh, si tu convoites la femme, ce n'est pas un péché. Si tu ne convoites pas la femme d'autrui. Na lobi bongote. Ce n'est pas cela que j'ai dit. Na lobi ne péché babenga adultère. Moi, je parle du péché qu'on appelle adultère. Basala kangote. On ne le commet pas. Soki oluli mwasi kaka mwasi. Si tu convoites toute n'importe femme, n'importe quelle femme. Et ça la makaka soko lula kende mwasi ya. C'est fait seulement quand tu as la Bible. Bible ndé loba. Jésus dit que yazo te yawa. Il se réfère. Non, il y a loba qui en tant que Yahvé. De ce qu'il avait dit en tant que Yahvé. C'est Yahvé qui avait donné les commandements. Yahvé n'a pas ça qui malako. Et Yahvé est devenu Jésus. Mais Yahvé a comment qui est. Et il tient sa parole. Ben Simba kan loba naye. Azo Simba, il tient sa parole. Azo Simba li loba naye. Il la confirme. Azali ko ni misa yango. Est-ce que c'est clair? Et qu'on cause à la péché. Ça peut être un péché. Soki oluli autre femme qui n'est pas mariée. Si tu convoites une autre mais femme péché qui n'est pas mariée. Mais péché en gote adultère. Mais ce péché-là, il ne faut pas l'appeler adultère. Soko ben en adultère. Si tu l'appelles adultère. Oza loko la sango. Tu es comme prêtre. To loko la mundimi ya kimbang. Ou un croyant kimbangiste. Il y a un message. Pas du message. Tu n'as pas encore reçu la révélation. Non, il y a un bien mon si tu prêches comme ça, na tu es comparable à un prêtre. Voyez, on est un abbé. Tu es comparable à un abbé. Et on est un politicien. Tu es comparable à un politicien. Voyez, frère, bon, regardez.
Aujourd'hui même, on prêche qu'un homme qui divorce de sa femme akabwani, pas qui répudie, qui divorce avec sa femme. Il se marie à une autre femme. Il a commis l'adultère. Il a commis l'adultère. Je n'ai pas écrit dans la Bible. C'est comment mettre la Bible. Nulle part, c'est écrit ainsi. Et c'est quand mon côté comment bon. On sera l'adultère comment. Il fera l'adultère comment. Alors il faut olukakoye ba mwasi oye abali aza mwasi anane. Alors il faut chercher à savoir la femme qu'il se marie. Donc abali mwasi a mutu mususu. Si se marie à une femme de quelqu'un d'autre. D'autrui. D'autrui. Wana. Sans son mala. A commettre l'adultère. Il a commis l'adultère. Mais si mwasi oye abali nasima. Mais si la femme qu'il a mariée. Aza ya mutu mususu te. C'est pas la femme d'autrui. Il n'y a point de péché. Je suis moi zali soko mukete. Il n'y en a pas. Ezoamité. Voyez. Pourquoi? Ponanine. C'est la parole révélée. Ezali lobali moni sami. Parole révélée zakandenga mosusu. La parole est révélée autrement. Donc, et mon soke depuis natanga Bible na yeba. Ça te révèle que depuis que j'ai lu la c'est Bible. C'est pourquoi Branham disait. C'est pourquoi les comprendre mazakoloba. Mon vieux livre est devenu devant moi un nouveau. Et comme il bosse dans Gaïo Yasika. Ma vieille Bible. Mon bangé ya Bible dans Gaï. Depuis l'ouverture de cette sorte. Est devenu pour moi une nouvelle. Et comme il pose dans Gaïo Yasika. Lukulande natanga kayangote. Comme si je ne l'ai jamais. Et pourtant la manière kotanga yango. Et pourtant nazaï kotanga yango. Mais n'ayez pas yangote. Je ne les connaissais pas. Parce que Zaginano caché. Parce que c'est encore caché. Il a fallu Dieu allonge la voile. Il a fallu que Dieu enlève le voile. Et il a ôté le voile. Allonge la kezipelo. Il m'a ouvert les yeux. Allonge la kengamiso. Il m'a accordé la révélation. Il a pensé qu'il allait monter. Et la parole écrite. Béli l'obéit comme ami. Est devenue la parole écrite et révélée. Et comme il l'obéit comme ami le monsieur. Voyez-vous cela? On y met yango. Est devenu la parole révélée. Et comme il le dit, j'ai maintenant la révélation. Alors, ça, c'est pour moi, Nisseli. C'est comme ça. Et Zalibongo. C'est comme ça que nous croyons. Alors, au moni ango. Alors, vous voyez cela? Clairement. Polele, polele. Moi, je suis au Balingaï, ma banga wana. La femme qu'on voulait lapider là, qui avait commis l'adultère. Azraki était n'importe quelle femme. N'était pas n'importe quelle femme. Azraki est une femme mariée. C'était une femme mariée. On l'a trouvée avec un autre mari. Un autre homme. Un autre homme. Pas un autre mari. Bakuti est mobali moussous. On l'a trouvée avec un autre homme. Avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Zabongo. Oh, Balinga Bekatina. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Omone. Voyez-vous. Et dans la Bible, il y a au moins trois notions. Et dans la Bible, il y a au moins trois notions. L'adultère. Et quoi bon? L'impudicité. Pité. Et la fornication. Et la fornication. Ce sont les trois notions. Et ça, c'est la notion, Misato. Maloba, Masato, Mana. Ces trois notions. Mako, Koutama, Awanakati, Bible. Se trouve ici dans la Bible. Et Nyoso, Misato, et les trois masumu. Sont des péchés. Et masumu mana makeseni. Et ces péchés-là sont différents. Et ça kosangana te na lisumu moko. Ça ne serait pas un péché. Et ça kombo ya lisumu moko te na ndenge misato. Ce n'est pas le nom d'un péché sous trois noms. Non. De. Et ça masumu misato na ba kombo na ngo misato. Ce sont les trois péchés avec trois noms. Adultère. Et kobo. Et ça la marara avec une femme d'autrui. Ne se fait qu'avec une femme d'autrui. Ou bien to, une femme fiancée. Moi, soyez mon bandami. L'impudicité. Et quoi bon? C'est pardon, entre. Pité. L'impudicité. Pité. C'est entre les non-mariés. Et allez, katikati na baiba balanite. Voyez. Bon moni. Même si un homme marié a kokaka mobali yabala
pouvait s'unir à une femme qu'il n'a pas mariée. Coucher avec une femme célibataire. Célibataire. On n'appelle pas cela adultère. Il faut bien suivre cela. Depuis ton bandage, une femme est mariée. Et puis nous avons commencé, nous parlons. Jamais tu dis que l'on a un homme marié. Jamais nous avons dit un homme marié. Un homme marié. C'est seulement un ruisseau. Et ça, c'est que Mokeli Moko. Oyo maye tio la kaka. Ah, dont l'eau coule. Mais enanakate. Mais ça ne nage pas contre courant. Ça ne remonte pas, ça descend. Ça ne fait que descendre. Kaka michio, michio, michio. Ça va couler, couler. Ni nanote. Pas contre courant. Et tio la kaka. Ça ne fait que couler comme ça. Adultère. Alors, un cobo. Avec un homme marié. On ne peut pas le faire avec un homme marié. Non, non, non. Ça, c'est la version des catholiques. On est allé niveau là-bas catholique. Oyeza reprise na ba gouvernement yamoké. Il est reprise par le gouvernement mondial. C'est ça. Et ça bon. Et au coup, dans chaque loi du pays, tu vas trouver dans chaque loi parce qu'on définit l'adultère, on définit l'adultère comme des relations sexuelles, comme une relation sexuelle entre les conjoints. Il y a personnes mariées, des personnes mariées en dehors des conjoints. En dehors des conjoints. De son conjoint. Namo Zalaninaye. Namo. Mobalaninaye. Donc, ce que vous avez mobali. Alors si toi tu es homme, oui, aussi au bala, tu es déjà marié, okay, koukouta, na mwasu, ya bala tu vas te joindre avec une femme qui n'est pas mariée, commettre adultère. Tu as commis l'adultère. Ce n'est pas comme ça dans la Bible. Ezali bongo, tu n'auras pas le verset pour confirmer ça. Catéchisme ya catholique. Tu peux trouver ça dans le catéchisme catholique. Des fois, on a question-réponse à frère Branham. Des fois, tu vas les trouver dans les questions-réponses de frère Branham. Mais tu ne vas pas les trouver dans le mariage et divorce. Oh, il y a révélation. Tu ne vas pas trouver cela là-bas. Tu ne vas pas trouver cela dans la Bible. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que la polygamie. Oui, tu es ndongo. À autant de l'Ancien Testament est illégal sous les anciennes lois. C'est ce que le prophète enseigne. Et si la polygamie était légale, la polygamie signifie quoi? Un homme avoir beaucoup de femmes. Donc plus d'une femme. Il a une femme qui l'a mariée. Ajouté du deuxième. Il a ajouté encore une deuxième. Ajouté troisième. Il a ajouté encore une troisième. Alors, moi, je ne sais pas si je suis un homme. Cet homme peut être croyant comment? Pouvait, je dis. Pouvait être croyant comment? Comment est-ce qu'il pouvait être croyant? Quelle sorte de croyant qui ne vit pas la parole de Dieu? Je vais vous donner un exemple de tels hommes qui sont la fin. De polygamie. Salomon. Et son père David. Salomon avait 1000 femmes. Donc, il a commis adultère. Alors, il a commis l'adultère. 1000 fois. 1000 fois. Bon, il était quel type de croyant? David en avait 500 femmes. C'est-à-dire qu'il a commis adultère 500 fois. C'est-à-dire qu'il a commis l'adultère 500 fois. Ou bien 400. Ou bien 99 fois. Parce que la première femme est Zaga Adritère. La première femme est Zaga Adritère. Donc la deuxième est Abandé Adritère. Troisième est Adritère. Quatrième est Adritère. Jusqu'à 500 femmes à commettre Adritère 499 fois. Salomon, première femme est Zaga Adritère. La première femme, ce n'était pas l'adultère. Alors, deuxième femme a commettre l'adultère. Il a commis l'adultère. Qui a banni commettre. Il a continué à commettre l'adultère. A dépassé même père Naïe. Il a dépassé même son père. Ti. Jusqu'à... A eu commettre l'adultère 999 fois. 999 fois. Vous vous rendez compte? On parle de David qui n'a commis adultère qu'une seule fois.
avec ses 500 femmes, il n'a commis adultère qu'une seule fois. Et qui connaît la seule fois là? Qui connaît? Qui connaît? Ah! Tango ya la la ki moi j'ai Uri. Lorsqu'il a accouché la femme d'Uri. Parce que elle était une femme d'autrui. La femme de son prochain. La femme de son prochain. C'est ça adultère. Frère. Bande. Oui, mais parce que c'est comme ça que nous croyons. Nous mangeons la manne. Mais non pas d'hier. Car cette manne est à l'objet de l'équité. La manne que nous mangeons. Manne est aujourd'hui. Elle est d'aujourd'hui. Et Zali a l'élo. Et notre manne. Manne n'abisso. C'est la manne cachée. Et Zali manne oye bomba mak. Qui nous a été révélée. Oye moni samela ki biso. Parce qu'on devait conserver la manne. Oye te basengela ki kobomba manne. Dans la présence de Dieu. Bozali ensemble. Boy polate. Pour que cela ne pourrisse pas. Et batte l'âme. Que cela soit gardé. C'est quoi? Zanin. C'est la parole de Dieu. Qui demeure éternellement. Et qui nous a été aujourd'hui révélée. Bele, la parole qui était cachée nous a été aujourd'hui révélée. C'est cette manne cachée qui nous a été aujourd'hui révélée. Et nous la mangeons. Croyez-vous cela? Et vous tous qui avez soif et faim, venez! Car l'Éternel lui-même avait promis d'envoyer une faim, d'entendre les véritables paroles de Dieu. Et la prophétie, c'est aujourd'hui qu'elle est accomplie. Ah, c'est aujourd'hui que cela s'est accompli. Amen. Amen. Et puis surtout, il y a nourriture à magasiner. Et nous mangeons la nourriture à magasiner. C'est la volonté de Dieu. Et Zali Mokano Nanzambe. Écrite, oui, cachée, oui, que Dieu nous l'a fait connaître. Oui, il nous l'a révélé. Oui. Et nous la mangeons. Oui. Parce que c'est cela qui était la nourriture du Fils de l'homme. Oui. Oui. Qui lui a apporté la nourriture? Ah, mais j'ai la nourriture que je mange, donc vous ne connaissez même pas. Qui lui a apporté la nourriture? Qui? Mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'envoie. Quand je fais sa volonté, c'est à ce moment-là que je suis en train de manger. Et aujourd'hui, nous qui sommes ses frères, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Nous mangeons la même nourriture avec le premier-né. Parce que c'est la nourriture des premiers-nés. Faire la volonté du Père. C'est ça notre nourriture. Il s'agit de quelle volonté? Mais c'est sa volonté écrite et cachée ici dans la Bible. C'est cette manne cachée. Et lui-même a ôté le voile. Il nous a révélé, il nous a fait connaître sa volonté.
et en nous la faisant connaître. C'est pour que nous connaissions notre nourriture. Que nous ne mangeons point n'importe quoi. Nous continuons à manger ce que le Fils de l'homme mangeait, ce que le premier né mangeait, la volonté du Père. Amen. Amen. Est-ce que ça peut l'aider? Est-ce que c'est clair? Oui, Balinga Mikati Nankou. Il y a bien aimé dans le Seigneur. C'est de cette manière-là. Enfant de Dieu. Voici, j'arrête parce que je suis arrivé aussi en retard. Amoni. Voyez-vous. Nous devons écouter. Notre âme doit écouter son créateur. Regardez David qui pouvait chanter. Dans psaume 103. Mon âme loue l'éternel. Loue Yahvé. Il n'a pas chanté mon corps, mon esprit. Non, mais c'est mon âme. Lou Yahvé. Autre traduction dit, mon âme bénit l'Éternel. Malgré nous bronchons de plusieurs manières, par notre langue, par notre bouche. Des fois, il nous arrive de le bénir. Mais non. L'inférieur ne peut pas bénir le supérieur. C'est Dieu qui nous bénit. Nous, le louons. Nous le chantons. Nous le glorifions. Amen. Amen. Et lui nous bénit. Il répasse ses bénédictions sur nous. Afin que nous soyons heureux. Afin que nous prospérions à tous égards. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin de recevoir la bénédiction. Parce qu'il ne lui manque de rien. Il est le propriétaire de toutes choses. Vous allez le bénir pour qu'il ait quoi? Qu'est-ce qui lui manque? Pour qu'il te remercie. Oh, je remercie mon enfant aujourd'hui. Parce qu'il m'a béni. Regardez ce que je n'avais pas. Je viens de la voir. À cause de ce qu'il m'a béni. Non. Amen. Amen. Oui, frère. C'est mon âme. Qui béni Yahvé. Car c'est Yahvé qui guérit toutes mes maladies. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas chanter comme David qui guérit, mais qui a guéri toutes mes maladies. Qui a sauvé mon âme. Voyez, frère. Parce qu'il m'a sauvé. Il m'a guéri. Il m'a béni. C'est dans le passé composé. Tout est dans le passé composé. Il m'a prédestiné. Il m'a élu. Il m'a appelé. Il m'a justifié. Et il m'a glorifié. Tout dans le passé composé. Et il m'a amené à la perfection. Une fois pour toutes. Déjà amené à la perfection. Déjà amené à la perfection. Par l'offrande du corps de Jésus. Christ. Pour Dieu. En rapport avec son église. C'est une œuvre achevée. Dieu a achevé son œuvre. Frères et sœurs,
C'est un film rediffusé. Alors partout nous avons déjà passé par là. Et nous sommes arrivés au but. Devant Dieu, dans sa pensée, personne d'entre les élus ne sera perdu. Aucun. Parce qu'il les a amenés déjà à la perfection. Une fois pour toujours. Terminé. Il nous a même déjà glorifié. Le Seigneur nous a déjà glorifié. C'est-à-dire nous avons déjà porté ce corps glorieux. Déjà devenu semblable à lui. C'est comme nous l'avons déjà vu. Et nous sommes transformés à son image. Déjà fait dans la pensée infinie de Dieu. Croyez-vous cela? Rien ne nous arrêtera. Nous y arriverons. Parce que la prédestination, c'est être destiné d'avance. Là où tu dois arriver. On t'a prédestiné. Prédestiné. Destiné d'avance. Pour devenir cela. C'est-à-dire devenir ses enfants d'adoption. Devenir semblable à lui. C'est déjà fait. Il nous a prédestinés à être semblable à l'image de son fils. Avec son fils, il soit le premier-né d'entre beaucoup de frères qui sont semblables à lui. Amen. Amen. Est-ce que ça plaît? Est-ce que c'est clair? C'est ça le message de l'heure. C'est ça la parole révélée. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Écoutez-le. Ma prophète Nyos. Tous les prophètes. Que Dieu a envoyé. Il y a un prophète de mon côté. Il n'y a aucun prophète. Que Dieu a confirmé. Écoutez-le. Et vous l'écouterez. Dans tout ce qu'il vous dit. Le seul. C'est le Fils de l'homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'avait pas ses propres paroles. Et ailleurs, les paroles de Dieu. C'est pas ce que j'ai dit. Il n'avait pas ici ses propres paroles. Et ailleurs, les paroles de Dieu. Non. Tout ce qu'il disait était les paroles de Dieu. C'est l'Écriture. Depuis Deutéronome, il vous dira tout ce que je lui commanderai. Tout ce que je lui commanderai, il vous le dira. Pas autre chose. Et le seul prophète qui n'a jamais parler, nous parler par ainsi dit le Seigneur. Ce serait ma Jésus-Christ. Il ne nous a jamais transmis ainsi dit le Seigneur. Que ainsi dit le Seigneur. Non. Lui ne disait pas ça. Lui disait en vérité, je vous l'ai dit. Parce que le prophète n'était pas eux-mêmes le Seigneur.
Mais la parole du Seigneur, venez aux prophètes. C'est pourquoi le prophète disait, ainsi dit le Seigneur, pour nous dire que ce n'est pas moi. Ça ne vient pas de moi. C'est le Seigneur qui m'a commandé de vous dire, la parole m'est venue de lui. C'est sa parole à lui. Mais maintenant, le Seigneur, qui est lui-même la parole, qui était au commencement, qui allait chez les prophètes, pour que les prophètes nous l'annoncent. Alléluia! Amen. Il est devenu lui-même un prophète. La parole est devenue lui-même un prophète. C'est pourquoi il disait, en vérité, je vous l'ai dit, c'est moi la parole qui vous dit, c'est moi la parole devenant chair. La parole a été faite chair en tant que prophète. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça que nous croyons. Et le seul prophète qui n'a jamais corrigé, c'est seulement Jésus. Ezali kaka Yesu Kristo. C'est seulement lui. Ezali kaka ye. Aucune erreur. Libonga ta mokote. Même dans ses exhortations. Ezala kati na bilendi sel na ye. Dans son enseignement. Kati na malakisi na ye. Dans son évangélisation. Kati na kopalangisa na ye. Dans sa prophétie. Kati na bisakoli na ye. Dans ses actes. Dans sa conduite. Même quand il était petit enfant, il n'a jamais commis le péché. Quand il était encore dans le sein de Marie, l'ange Gabriel l'a reconnu. Moi, Gabriel a sosolaki. Il l'a reconnu. Et il a dit, le saint enfant qui naîtra de toi. Saint enfant qui naîtra de toi. Dès la matrice de sa mère, il était saint. Non, frère. Jésus-Christ le saint. Jésus-Christ le saint. Amen. Amen. Et lui-même a dit dans Jean 4, Jean 3, verset 34, c'est celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Il a en lui tout ce que Dieu. Non. Tout ce que Dieu. Ah! C'est cela. Il a en lui tout Dieu. Tout Dieu dans un seul homme. La plénitude de Dieu habita corporellement en Christ. Parce que Christ était la révélation du mystère de Dieu. Et l'unique et la seule révélation du Père, de Dieu sur la terre, c'est dans son Fils Jésus. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça que nous croyons. Il n'avait pas l'esprit avec mesure. L'esprit ne venait pas à lui momentanément. L'esprit ne faisait pas à lui de va-et-vient. Non. L'esprit, quand il est descendu, l'esprit a habité. L'esprit est resté jusqu'au jour de sa mort. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui prêchent, mais à la croix. Mais il n'avait plus l'esprit. Ce serait un homme qui était mort pour nous. Jésus n'était pas un homme. Il était Dieu devenant homme. Il n'était pas homme devenant Dieu. Il n'était pas comme Kimbango. Comme Diangena.
et comme Kadima. Et le Kola Kadima. Et comme Brana. Et le Kola Brana. Comme on l'a fait. Et comme Mukuna. Non. Tous ces gens-là étaient des hommes. Et ils ont trébuché. Finalement, comme au hasard, mais Jésus n'était pas devenu Dieu. Parce que Jésus a commencé à embêter. Il était d'éternité en éternité Dieu. Azaki, na yela la zamb. Et c'est ce Dieu-là qui est devenu homme. Na commencé moto. Croyez-vous cela? Bonimi yango. Même quand il était dans le sein. Mais sa mère, on pouvait l'appeler Seigneur. Et c'était par le Saint-Esprit. Vous voyez, frère, c'est ce qu'Élisabeth, la mère du prophète Jean, l'avait appelée quand elle fut remplie de l'Esprit de Dieu. La mère de mon Seigneur. La mère de mon Seigneur. Et le jour même qu'il fut né, l'ange a annoncé la bonne nouvelle. Ne craignez point, ô berger, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera un sujet de grande joie pour tous les pères. C'est que aujourd'hui, il vous est né un sauveur qui est le Seigneur, le Christ. C'est Jéhovah qui vient de naître. C'est-à-dire, Yahvé vient de naître. Et il est le Messias. C'est pourquoi les bergers étaient allés l'adorer. Et les manges d'Orient, quand Yahvé était encore petit enfant, sont venus pour l'adorer. Et Hérode, par sa malice, voulait aller les tuer en disant que moi aussi j'irai l'adorer. Il était notre sujet d'adoration. C'est-à-dire notre Dieu. Amen. Amen. Les venons bien aimés dans le Seigneur. C'est comme ça que nous croyons. Voyez-vous. Ce n'est pas pour rien la montagne de transfiguration. Ce n'est pas pour rien si la montagne de transfiguration. Il y a eu des prophètes. Deux prophètes majeurs de l'Ancien Testament. Qui ont été enlevés. Akoufi a netolam. L'un est mort et enlevé. Mosusu Akoufi mais a netolam. L'autre n'était pas mort mais il était enlevé. Ils sont venus dans sa fête. Et trois apôtres ici, sur la terre, les trois messagers, parce qu'ils étaient invités dans sa fête. Et Bamataki Nkolo ya Ngomba. Ils sont montés sur la montagne. Nous sommes allés sur la montagne, là nous sommes montés. La montagne de transfiguration. Voyez, frère. Et avec un esprit dénominationnel. Il y a des gens qui sont en qui sont en train de se faire. Une proposition. Demandez à Zali Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et j'ai une émotion. Et la voici. Si tu le veux, construisons ici trois tentes. Une pour Moïse. Une autre pour Élie. Et la dernière, pour toi. Frère, les gens aiment les organisations, les dénominations. On ne lui avait pas encore répondu. Et la question qu'il posait au Seigneur, Élie a entendu cela. C'est-à-dire qu'il veut me construire une tente. Moïse a dit, il veut me construire une tente. Écoutez comment lui-même le maître va répondre.
Maître avait gagné. Le maître était calme. Ils ont entendu seulement dans les nuées. Une voix qui vient du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Je vous ai dit, il ne faut pas écouter un prophète. Car le Dieu des prophètes nous a recommandé de n'écouter que le fils de l'homme. Écoutez-le. Moïse était là. Moïse était là. Mais la parole a dit, ne l'écoutez pas. Ne les écoutez pas. Mais écoutez, mon fils bien-aimé. J'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire quoi? Ce qui est un lobby contre l'élément. Non, le fils de l'homme est à l'oba. C'est ce que le fils de l'homme a dit. Ne les écoutons pas. Écoutons seulement le fils de l'homme. Mais n'oublions pas. La parole de Dieu vient au prophète. Et quand le prophète nous dit, ainsi dit le Seigneur, alors écoutons-le. Nous n'écoutons pas le prophète. Nous écoutons le fils de l'homme. Nous écoutons le Seigneur. Parce que le prophète nous a dit, ainsi dit le Seigneur. Alors nous devons écouter le Seigneur qui nous a parlé par son prophète. Croyez-vous cela? Maintenant prions. Et Andéot. Moussou Swazate. Merci. Merci. Yo Benza. Obongina ko yokama. Obongina ko bangama. Obongina ko tosama. Obongi na ko lingama, na ko sambelama, na ko yembelama, na ko teyama. Yonde, uleki bango, uleki bisi. Ça va écouter qui alors? Ce que tu as dit, si l'âme n'écoute pas ta parole, elle va écouter quoi? Amen. Mon âme, si elle ne t'aime pas, elle aimera quoi et qui? Israël et Mukoyo, ces petits Israël, Dingomba Mukoyo, ces petits troupeaux, Basanto Baliawa, les saints qui sont ici, Toyokayo, que nous t'écoutions. Merci. Matondi.
Pambula mon homme va. Bénis ton fils. Pambula pe oya mwasi. Bénis aussi ta fille. Pambula basali na yo. Bénis tes serviteurs. Kati na biso. Parmi nous. Merci Nkolo. Merci Seigneur. Makambo mazai bele. Il y a beaucoup de choses. Bon mwen na biso, mozali akablé na ba problème. Notre vie est accablée par des problèmes. Ici sur la terre. Ennemi a zo rendre biso vie difficile. L'ennemi nous rend la vie difficile. Pensa que toko régné yo. Pensa que nous allons terminer. Mais c'est impossible. C'est koko salamaté. Au contraire. Zokande. Par beaucoup de persécutions, na minyo kebele, par beaucoup d'épreuves, na bimekele bele, couleur na biso komona, que notre couleur sera manifeste. Alors que nous allons démontrer ce que nous sommes. Que nous sommes des élus. Que nous nous attachons seulement à toi, à ta parole. Seulement toi, nous allons t'écouter. Nous n'écouterons que toi. Pas quelqu'un d'autre. Merci. Matoni. Que la gloire, l'honneur, la louange. Ce soir, rendis-toi Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Église dise Amen. Et Alléluia. Et Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Oui. Yo. Puna manaka mamatanga. Pour le programme de deuil. Linaka ya matanga ya mama ya ndeko na biso Thérèse ex Tuzolana. Le programme de deuil de notre maman, de la sœur Thérèse. De la maman. De la maman, de notre sœur Thérèse. Ex Tuzolana. Ex Tuzolana. Yangoyo. Le voici. Lobi mukolo mwamitano. Demain le vendredi. De veillé mortuaire butu butu ekosalama. Il y aura veillé mortuaire. Na sale bakobengaka enkonini. Inconnaît ce qui est inconnu. Yo, comment vous avez fait? Et t'es nazo ba combo yo gomiao. Ya salet. Octinde inconnu. Ah, balobi salé za inconnu. La salle est inconnue. Bakouye bisa, Dieu voula lobi. Et vous l'envoie nous la Mokolo moi poso donc samedi. Alors le samedi de bobibi bonzoto uta ndako ya malili sorti du corps de la mort. Il y a hôpital cinquantenaire. De l'hôpital cinquantenaire. Na commune ya Lingwala. À la commune de Lingwala. Pe beaucoup d'amis, beaucoup salama na malita nini. Malita pe mayebani na nte. Ah le cimetière aussi, ce n'est pas connu. Mais juste aux précision lobby. Je pense demain nous aurons la précision. Matin à mamie balé. Deuxième day. Zali pe ya maman. C'est aussi de la maman. De Gonabiso ya mobali Amisi. De notre frère Anissi. Amisi Pin Soki Kassim. Amisi Pin Kassim. Donc Mokolo mwa posonde. Veillée mortuaire. Samedi, veillée mortuaire. Pe ekosalama na salle polyvalente. Ça se fera dans la salle polyvalente. Je crois na balabala. Balabala Inga. C'est l'avenue Inga. Na commune ya Bandalungwa. Dans la commune de Bandalungwa. Quartier Adula. Quartier Adula. Quartier Adula. Quartier Adula. Balabala Inga numéro 4. L'avenue Inga numéro 4. Salle polyvalente. La salle polyvalente.
Ne mokolo mwa lomingo. Le dimanche. Bobimi bwanzoto utanda kuya malili. La sortie du corps de la morgue. Pe bokunami na cimetière ya Kinkole, Nouvelle Cité. L'enterrement dans le cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. Matanga tiami na balabala. Le deuil est organisé sur l'avenir. Oui. Gungu numéro 150, c'est ça? 152 dans la commune de Kinshasa. Numéro 150 dans la commune de Kinshasa. Matanga Masusu. Notre deuil. Oui, Zaya, Mama Yana. Cher Kala. Kala loa. Ah. Belle sœur, ya frère Kala. Belle mère. Ah, donc maman ya mwasi ya frère Bruno Kala. Ya masina Petro Congo. Frère Kalala, moi si waye. Oui, moi si waye, mamo ya boti. Naganisi, lina kalikuya nasima. Mais, eza na matanga moussous. Petit frère, ya sœur Amis. Ou ba beta ki masas. Sœur Aline Amis. Sakina. Bokundami pe boko salama samedi divula. Lobinde veye mortuaire. Ko salam. Mais zoto ya muwei ezana Luanda na Angola. Batie matanga epaya grande sœur naye, notre sœur Aline Sakina Misi. Matanga mususu ba yepe. Ezali frère Thomas Bosila. Un frère, Yabisowa, Zakinaye, Banda, na Kabal. Et Azaki Kotambula Kamingi, na frère Dido. Dido. Baba ne me confonda qu'ensemble. Mais à un moment donné, Abanaye Komona Nagali Susute. Tant que tu remarques. Bon, brusquement, il y a comme on en a. Alors, frère, n'a qu'un dégui moanda, ainsi de suite, beaucoup de choses. Bon, par hasard, il y a comme on en a. Mais il y a un peu de temps dans l'église Moko, côté de la Yaba Selembao. Yepe Autaki Kowa. Tu voulais, tu voulais une photo de Yepo, qui a Nazana Ngoa, na portable. Mais beaucoup est baillé parce qu'il y a un frère, il y a Kalapenza. Naba Sangouina, de Tosukisi Mayangan. Jambe a Kende, a Pambula, Mokona Mokona, Bissoupe, a Tambula, Bissouna Combo, Yesu Christo.